Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire effrayante. L'histoire de Lévitique Farias, un homme qui a défié la foi et a vécu une expérience de mort imminente transformatrice. Il est parti d'un chemin de rébellion totale pour découvrir la vérité sur l'avenir et trouver la rédemption. Avant de commencer, je veux savoir d'où vous regardez, alors commentez votre ville dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Partons ensemble sur ce chemin de foi et de dépassement. Je m'appelle Leviticus Farias et j'ai une histoire à raconter qui a complètement changé ma vie. Je suis né et j'ai grandi à São Paulo, une ville qui ne dort jamais, pleine d'opportunités et de défis. Mes parents étaient de fervents athées et m'ont élevé en toute liberté pour choisir ma propre voie. Tandis que d'autres enfants allaient à l'église ou apprenaient la morale et la foi, j'avais carte blanche pour tout remettre en question. Depuis toute petite, j'étais curieux, mais aussi très agité. Les règles et normes de la société n'ont jamais eu beaucoup de sens pour moi. Grandir à São Paulo, c'était comme vivre dans l'œil d'un ouragan. Et cela se combinait parfaitement avec mon esprit toujours occupé. En entrant dans l'adolescence, mon insatisfaction à l'égard de tout type d'autorité n'a fait qu'augmenter. Je ne me suis pas seulement rebellé contre mes parents ou mes professeurs, mais contre toute forme de religion. J'ai commencé à considérer les croyances religieuses comme des chaînes qui liaient les gens et les affaiblissaient. Ma haine pour ces illusions s'est transformée en quelque chose de profond et de venimeux. Ridiculer la foi des autres est devenu presque un passe-temps pour moi et je me sentais invincible de vivre sans les contraintes des croyances religieuses. Dans sa jeunesse, ce sentiment de pouvoir n'a fait que croître. Je me considérais plus intelligent et plus fort que les autres. Quiconque croyait en Dieu ou suivait une religion n'était, à mon avis, qu'une marionnette contrôlée par quelque chose d'invisible et de faux. Je vivais sans règles, sans limites, et chaque dispute que j'avais avec un religieux ne faisait que renforcer mon sentiment de supériorité. Les mots « Dieu », « foi » ou « rédemption » m'ont fait rire. J'étais convaincu que vivre en dehors de toute moralité était le véritable chemin vers la liberté. Je ne savais pas à quel point je me trompais et à quel point ma vie était sur le point de changer radicalement. C'était une nuit d'été à São Paulo, de celles qui semblent étouffées. L'air était épais, et les rues, normalement pleines de monde et de bruit, étaient étrangement vides. J'étais sorti boire un verre avec des amis, comme je le faisais presque tous les soirs. L'alcool coulait dans mes veines, mélangé à une dose supplémentaire d'arrogance. J'ai décidé de prendre ma moto et de faire un tour en ville. La sensation du vent sur mon visage, même s'il faisait chaud, me donnait un faux sentiment de liberté. Les rues désertes étaient une invitation à accélérer encore plus. Je me suis faufilé entre les voies, ignorant complètement les limites de vitesse. Dans ma tête, j'étais invincible. Les lampadaires défilaient comme des flous et le rugissement du moteur de la moto était une musique à mes oreilles. J'avais l'impression que le monde m'appartenait, comme si rien ne pouvait m'atteindre. L'adrénaline était déchaînée, amplifiée par l'alcool. À ce moment-là, j'étais le roi de la ville, et les rues vides étaient mon royaume privé. C'est alors que tout a basculé en quelques secondes. Dans un virage plus serré, un cerf est apparu de nulle part au milieu de la piste. L'animal était immobile, ses yeux reflétant la lumière du phare de ma moto. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai essayé d'esquiver, mais c'était trop tard. L'impact a été brutal. J'ai senti mon corps être éjecté du vélo comme si je ne pesais rien. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de voler. Mais la chute a été encore pire que l'impact initial. J'ai heurté l'asphalte avec une force énorme. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était la plus intense que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Je restais là, allongé par terre, sentant le froid de l'asphalte contre mon visage. Ma jambe droite était complètement détruite et je pouvais sentir le sang couler lentement, formant une mare autour de moi. La douleur était insupportable, mais peu à peu elle céda la place à un étrange engourdissement. Je savais que j'étais en train de mourir. Je sentais la vie s'échapper de moi, ainsi que le sang qui tachait l'asphalte. J'ai essayé de crier à l'aide, mais ma voix ne sortait pas. Les lumières de la ville ont commencé à devenir floues, et une obscurité a envahi ma vision. À ce moment-là,
pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Une peur profonde et viscérale. Ce n'était pas la peur de la mort elle-même, mais la peur de l'inconnu, de ce qui allait suivre. Toute mon arrogance, tout mon cynisme, tout cela a disparu en quelques secondes. Là, seul sur la route, je n'étais plus le roi invincible de la ville. C'était juste un homme effrayé, confronté à sa propre mortalité. Mes dernières pensées avant de perdre connaissance étaient un mélange confus de regret et de désespoir. Et puis, tout est devenu sombre. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus sur la route. La douleur physique avait disparu, mais un nouveau type de tourment a pris sa place. Je me suis retrouvé dans un endroit que je ne peux pas décrire entièrement avec des mots. Il faisait sombre, mais pas une obscurité ordinaire. C'était comme si les ténèbres elles-mêmes étaient vivantes, palpitantes et oppressantes. Le silence était assourdissant, rompu seulement par des cris lointains qui me donnaient la chair de poule. J'ai essayé de bouger, mais j'avais l'impression d'être coincé dans une sorte de boue épaisse et collante. Chaque mouvement demandait un effort immense, et plus je me débattais, plus j'avais l'impression de sombrer. Petit à petit, j'ai commencé à distinguer des formes autour de moi. C'étaient des figures monstrueuses et difformes qui semblaient se complaire dans ma souffrance. Ils ne parlaient pas, mais je sentais leur regard perçant, empli d'une méchanceté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me mis à marcher, ou plutôt à ramper dans cet endroit infernal. Il n'y avait ni direction, ni destination. C'était comme si j'étais coincé dans un labyrinthe sans issue. Le sol sous mes pieds était chaud et j'avais parfois l'impression de marcher sur des charbons ardents. L'air était lourd, empli d'une odeur de soufre qui m'étouffait. La respiration était difficile, comme si mes poumons se remplissaient de fumée à chaque inspiration. La sensation d'étouffement était constante, mais peu importe à quel point je le voulais, je ne pouvais pas arrêter de respirer. Les flammes étaient invisibles, mais je pouvais les sentir me brûler la peau. C'était une douleur comme je n'en avais jamais ressenti. Ce n'était pas une brûlure physique, c'était comme si mon âme était en feu. Et le pire, je ne pouvais pas mourir. C'était un tourment éternel, sans fin en vue. J'ai essayé de crier, de demander de l'aide, mais ma voix ne sortait pas. C'était comme si les mots restaient coincés dans ma gorge, augmentant encore plus le sentiment de désespoir. J'avais envie de pleurer, mais il n'y avait pas de larmes. Je voulais m'enfuir, mais je n'avais nulle part où aller. C'est alors que j'ai réalisé comme un coup de poing dans le ventre. Cet endroit était l'enfer. L'enfer dont je me suis tellement moqué, dont j'ai juré qu'il n'existait pas. Et maintenant j'étais coincé là. Toute la fierté que j'avais nourrie pendant tant d'années, cette arrogance qui me faisait me sentir invincible, était désormais ma plus grande malédiction. J'ai essayé de me souvenir des prières, de tout ce qui pouvait m'aider, mais mon esprit était vide. Des années d'incrédulité et de ridicule avaient effacé toute trace de foi que j'avais pu avoir autrefois. J'étais complètement seul, abandonné dans un lieu de tourment éternel. Le temps semblait ne pas exister là-bas. Il n'y avait ni jour ni nuit, ni horloge, ni calendrier. Chaque instant durait comme une éternité, et à chaque instant, j'étais sûr que je n'en pouvais plus. Mais l'horreur continuait, implacable. Cet enfer était une prison que j'avais construite avec mes actions et mes choix. Chaque mot de mépris que j'avais adressé aux croyants, chaque moquerie, chaque acte d'arrogance, tout cela se retournait désormais contre moi, formant les murs de ma prison éternelle. En me promenant dans cet endroit terrible, j'ai commencé à revivre des moments de ma vie. Mais ce n'étaient pas des souvenirs normaux. C'était comme si je regardais un film de mes pires moments, ressentant l'impact de chacune de mes actions. Je me suis retrouvé à ridiculiser un camarade de classe pour sa foi, les mots cruels sortant de ma bouche comme un poison. J'ai ressenti la douleur que j'ai causée, l'humiliation que j'ai infligée. C'était comme si j'étais à sa place, vivant toutes les souffrances que j'avais causées. Puis je me suis retrouvé à me disputer avec mes parents, à crier que je n'avais pas besoin de leurs règles stupides. Je pouvais voir la tristesse dans les yeux de ma mère, la déception sur le visage de mon père. La culpabilité me consumait comme de l'acide, rongeant mon âme. Chaque scène était un coup de couteau dans mon cœur. J'ai vu des gens que j'avais blessés, des opportunités que j'avais gâchées,
des moments où j'avais choisi le mauvais chemin par pure fierté. C'était un défilé sans fin de mes erreurs et de mes péchés. Je me suis retrouvé à trahir la confiance de mes amis, à mentir entre mes dents, à manipuler les gens pour obtenir ce que je voulais. Chaque action égoïste, chaque mot méchant, chaque pensée impure, tout était là exposé, sans aucun filtre ni justification. Le pire, c'est que je ne pouvais rien faire pour changer. Je ne pouvais pas revenir en arrière, je ne pouvais pas m'excuser. J'étais condamné à revivre éternellement les fruits amers de mes choix. À un moment particulièrement douloureux, je me suis retrouvé à me moquer d'un homme qui prêchait dans la rue. Je me souviens avoir pensé à l'époque qu'il était pathétique, qu'il perdait son temps en conte de fées. Maintenant, je pouvais sentir la sincérité de sa foi, le véritable amour qu'il avait pour les gens. Et je me sentais plus petit qu'un grain de sable. Ce torrent de souvenirs et de sensations semblait sans fin. C'était comme si chaque péché, chaque erreur, chaque moment d'arrogance était gravé dans mon âme. La douleur était insupportable, mais je ne pouvais pas y échapper. J'ai commencé à comprendre le poids de mes actes. Chaque choix que je faisais, chaque mot que je prononçais, avait des conséquences. Et maintenant, je récoltais ce que j'avais semé. La liberté à laquelle j'appréciais tant, cette vie sans règles ni limites, m'avait conduit dans une prison éternelle. À ce moment-là, j'aurais donné n'importe quoi pour revenir en arrière. Avoir une seconde chance, pouvoir faire les choses différemment. Mais il semblait trop tard. J'étais condamné à vivre éternellement avec le poids de mes péchés, sans espoir de rédemption. La culpabilité, le regret, la honte, tout cela m'a consumé. J'avais envie de crier, de demander pardon, mais il n'y avait personne pour m'entendre. J'étais seul, face aux conséquences de mes choix. C'est dans ce moment de désespoir total que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière commença à briller dans l'obscurité, faible au début, mais de plus en plus brillante. Et avec cela est venu un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Soudain, au milieu de mes tourments, j'ai été frappé par une vision bouleversante. Les scènes de mon passé ont cédé la place à des images du futur, si vivantes et réelles qu'elles m'ont fait frissonner. C'était comme si j'étais transporté en 2024, témoin d'événements à venir. J'ai vu des villes côtières englouties par des vagues gigantesques, des ouragans d'une intensité jamais vue, avant de dévaster des régions entières. Les bâtiments se sont effondrés comme s'ils étaient faits de lettres. Les rues se sont transformées en rivières déchaînées. La puissance de la nature se montrait dans toute sa fureur, et l'humanité semblait minuscule et impuissante devant elle. Puis la scène a changé. Maintenant, je voyais des tremblements de terre secouer les métropoles, craqueler le sol comme du papier. Les gratte-ciels ont oscillé dangereusement avant de s'effondrer, emportant avec eux des milliers de vies. La panique était palpable, les gens couraient sans but, les cris de désespoir résonnaient partout. Les images continuaient de se succéder, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. De violentes inondations ont anéanti des communautés entières, emportant des maisons, des voitures et des vies. Des familles entières ont lutté pour survivre, s'accrochant au toit de leur maison alors que l'eau montait sans relâche. C'était l'apocalypse qui se déroulait sous mes yeux, et je ne pouvais rien faire d'autre que regarder, horrifié. J'ai compris, le ventre noué, que la planète subissait les conséquences des actions humaines. Des années et des années de négligence, d'exploitation effrénée des ressources naturelles, d'indifférence à l'égard de l'environnement, tout cela a abouti à ce scénario de destruction. J'ai vu les conséquences du déséquilibre écologique dans toute sa cruauté. Des espèces entières ont disparu, des écosystèmes se sont effondrés. Le chaos social s'est propagé comme un virus, les gens luttant désespérément pour des ressources de plus en plus rares. Le manque de compassion et la recherche effrénée de la survie individuelle ont transformé les communautés en champs de bataille. Des milliers de vies sont perdues chaque jour, non seulement à cause des catastrophes naturelles, mais aussi à cause de la famine, des maladies et des conflits qui ont suivi. C'était comme si la Terre elle-même se rebellait contre la présence humaine et que nous perdions la bataille. Le plus effrayant, c'était de réaliser que tout cela aurait pu être évité. Chaque catastrophe, chaque mort, chaque parcelle de terre dévastée
était le résultat direct de notre arrogance, de notre cupidité, de notre refus d'écouter les avertissements lancés depuis des décennies. Je voulais crier, avertir les gens, faire quelque chose pour changer ce terrible avenir. Mais il n'était qu'un observateur impuissant, condamné à regarder ce cauchemar se dérouler sans pouvoir intervenir. C'est à ce moment-là que j'ai compris le vrai sens de la responsabilité. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons a des conséquences qui nous dépassent largement. Nos décisions façonnent non seulement nos vies, mais aussi l'avenir de la planète entière. La vision a commencé à s'estomper, mais l'horreur de ce dont j'avais été témoin est restée en moi. Je savais que ces images resteraient gravées dans mon esprit pour toujours, un rappel constant de ce qui pourrait arriver si nous continuions sur le même chemin. Quand je suis revenu à moi, j'étais toujours dans ce lieu de tourment, mais quelque chose avait changé. Le sentiment de désespoir total a cédé la place à une urgence, un besoin désespéré de faire quelque chose, n'importe quoi, pour éviter ce terrible avenir. C'est dans ce moment de profonde agonie et de regret que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière a commencé à briller au milieu des ténèbres qui m'entouraient. Au début, ce n'était qu'un point faible, presque imperceptible. Mais petit à petit, elle s'est agrandie, s'est intensifiée, jusqu'à devenir si brillante que je pouvais à peine la regarder directement. La lumière n'était pas seulement visuelle, c'était quelque chose que je pouvais ressentir. C'était comme s'il dégageait de la chaleur, du confort et de l'amour. Oui, mon amour. Un sentiment que j'avais oublié depuis longtemps, ou peut-être que je n'avais jamais vraiment connu. Sans que je m'en rende compte, des mots ont commencé à sortir de ma bouche. « Pardonnez-moi », murmurai-je, surpris par ma propre voix. C'était une demande sincère venant du fond de mon âme. Pour la première fois depuis des années, peut-être la première fois de ma vie, j'ai senti une véritable vague de regrets m'envahir. Alors que ces mots quittaient à mes lèvres, les flammes qui me consumaient commencèrent à s'apaiser. Le tourment que je ressentais a cédé la place à un sentiment de soulagement, comme si un énorme poids était enlevé de mes épaules. C'est alors qu'il est apparu. Au milieu de cette lumière intense, une silhouette est apparue que j'ai immédiatement reconnue, même si je ne l'avais jamais vue auparavant. C'était Jésus. Pas le Jésus des peintures ou des films, mais une présence si réelle, si vivante, qu'elle a fait battre mon cœur. Tes yeux? Je n'oublierai jamais ses yeux. Ils m'ont regardé avec un mélange de compassion et de tristesse, mais il n'y avait aucune colère. Même après tout ce que j'avais fait, toutes les fois où je me suis moqué de lui et de ses disciples, il n'y avait aucune condamnation à ses yeux. « Pourquoi Lévitique ? » m'a-t-il demandé. Sa voix était douce, mais portée avec une autorité que je n'avais jamais connue auparavant. « Pourquoi as-tu choisi de vivre de cette façon ?» À ce moment-là, toute mon arrogance, toute la fierté que j'avais accumulée au fil des années se sont effondrées comme un château de sable. Je me voyais tel que j'étais réellement. Un petit homme effrayé qui avait passé toute sa vie à fuir la vérité. Je ne pouvais pas répondre avec des mots. Je suis tombé à genoux, pleurant comme un enfant. Toutes les justifications que j'avais utilisées pour mon comportement semblaient désormais vides et insensées. J'avais gâché ma vie, blessé les gens, rejeté l'amour et la grâce qui m'avaient toujours été disponibles. Pardonnez-moi, répétai-je, cette fois pas seulement avec mes lèvres, mais avec tout mon être. J'ai compris que j'avais vécu une vie d'arrogance et d'ignorance et que je n'étais pas invincible comme je le croyais. Il n'était qu'un homme faible et perdu, ayant désespérément besoin de rédemption. Jésus s'est approché de moi, et à ma grande surprise, il m'a tendu la main. « Lévitique, dit-il, mon amour pour toi n'a jamais diminué. Même lorsque tu m'as rejeté, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Comment était-il possible qu'après tout ce que j'avais fait, je puisse encore être aimé comme ça? C'était un amour qui dépassait mon entendement, un amour qui n'exigeait rien en retour, qui n'avait aucune rancune. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas une pause douloureuse, mais libératrice. C'était comme si toutes les couches de cynisme, d'amertume et de fierté que j'avais accumulées au fil des années étaient arrachées, ne laissant que le vrai moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre. Jésus m'a regardé dans les yeux,
et a dit quelque chose qui a tout changé. Lévitique, je t'offre une seconde chance. Ces paroles résonnaient en moi comme un écho, me remplissant d'un mélange de soulagement et de peur. Une seconde chance? Ai-je demandé, croyant à peine ce que j'entendais. Après tout ce que j'ai fait, après toutes les fois où je t'ai rejeté, Jésus sourit, un sourire plein de compassion. Oui, Lévitique, ma grâce est plus grande que toutes tes erreurs. Mais cette chance a un prix. Si ton repentir est sincère, tu pourras retourner à la vie. Mais ce ne sera pas pour continuer à vivre comme avant. Ta mission sera d'être témoin de la puissance de l'amour et de la grâce de Dieu. Je restai silencieux un moment, absorbant le poids de ces mots. Revenir à la vie signifiait faire face aux conséquences de mes actes, regarder dans les yeux les personnes que j'avais blessées. Cela signifiait une vie complètement différente de celle que je connaissais. « J'accepte », dit-il finalement, avec une conviction qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Je veux cette seconde chance. Je veux faire les choses différemment. » J'avais à peine fini de parler que je sentis une force me tirer en arrière. La lumière commença à se dissiper et la figure de Jésus devint de plus en plus lointaine. J'ai essayé de l'atteindre, mais c'était comme nager contre un courant puissant. Soudain, j'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé sur l'asphalte froid. La douleur est revenue de plein fouet, me rappelant brutalement la réalité de l'accident. Ma jambe était brisée et je pouvais sentir le sang couler. Mais quelque chose était différent. Malgré la douleur physique, il y avait en moi une paix que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai entendu des voix approcher. Un couple avait arrêté leur voiture et courait vers moi. « Accrochez-vous !» J'ai entendu l'un d'eux crier alors qu'ils appelaient une ambulance. J'ai fermé les yeux, ressentant une profonde gratitude. On m'avait donné une seconde chance et j'étais déterminé à ne pas la gâcher. Les heures suivantes furent un tourbillon de sirènes, de lumières vives et de voix inquiètes. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital, où une équipe de médecins s'est battue pour me sauver la vie. La bataille fut longue et difficile. J'ai perdu ma jambe droite, mais j'ai survécu. Lorsque je me suis finalement réveillé aux soins intensifs quelques jours plus tard, la réalité de ma nouvelle vie a commencé à s'installer. Physiquement, j'étais brisé. Émotionnellement, j'étais épuisé. Mais spirituellement, je me sentais plus vivant que jamais. Les semaines suivantes furent marquées par une intense récupération. J'ai dû apprendre à vivre avec une prothèse, à composer avec une douleur constante, à accepter les limites de mon nouveau corps. Mais chaque défi, chaque moment de douleur ou de frustration, était un rappel de la précieuse seconde chance qui m'avait été donnée. C'est durant cette période que j'ai commencé à vraiment réfléchir à tout ce qui s'était passé. De la vie que je menais avant, de l'accident, de mon voyage en enfer, et de ma rencontre avec Jésus. Chaque souvenir était comme un puzzle qui se mettait en place, me montrant une image plus grande que je n'avais jamais remarquée auparavant. J'ai commencé à comprendre que mon expérience ne concernait pas seulement moi. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. On m'avait donné cette deuxième chance non seulement de changer ma propre vie, mais aussi d'avoir un impact sur la vie des autres. Partager un message d'espoir, de rédemption, d'amour qui dépasse toute compréhension humaine. Au fur et à mesure que je récupérais physiquement, j'ai senti mon esprit devenir plus fort. Chaque jour, la conviction que j'avais un objectif plus grand grandissait. Je savais que le chemin ne serait pas facile et qu'il y aurait de nombreux défis à relever. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à les affronter. Non plus avec arrogance ou cynisme, mais avec humilité et foi. Mon voyage de retour vers la vie ne faisait que commencer, et j'avais hâte de voir où cela me mènerait. Ma récupération physique a été lente et douloureuse, mais la transformation spirituelle que j'ai vécue a été encore plus profonde. Chaque jour apportait de nouveaux défis, non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon esprit et mon âme. J'ai commencé à fréquenter une église locale, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Au début, je ne me sentais pas à ma place, comme si je ne méritais pas d'être là. Mais petit à petit, je me suis ouvert à cette nouvelle expérience. C'est là que j'ai rencontré le Père Francisco, un homme dont la sagesse et la compassion m'ont tellement rappelé le Jésus que j'avais rencontré. Le Père Francisco est devenu mon guide dans ce nouveau voyage.
Il m'a aidé à comprendre les Écritures, à apprendre à prier et à commencer à construire une véritable relation avec Dieu. Mais plus encore, il m'a aidé à comprendre le but divin de ma nouvelle vie. Lévitique, m'a-t-il dit un jour. Votre histoire n'est pas seulement la vôtre. C'est un témoignage de la puissance transformatrice de Dieu. Vous avez maintenant une mission. Ces mots m'ont profondément touché. Je savais qu'il avait raison. Mon expérience de mort imminente, mon voyage en enfer, ma rencontre avec Jésus, tout cela ne pouvait pas se produire uniquement avec moi. C'était un message qui devait être partagé. J'ai commencé à étudier la Bible avec une intensité qui m'a moi-même surpris. Chaque verset semblait prendre un nouveau sens à la lumière de mon expérience. Les histoires de rédemption, de seconde chance, d'amour inconditionnel, je les comprenais désormais d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais mon voyage spirituel n'était pas seulement une question de connaissance. Il s'agissait de transformation. Petit à petit, j'ai appris à pardonner pas seulement aux autres, mais à moi-même. J'ai appris à voir les gens avec compassion, à voir au-delà des apparences et à comprendre que chacun mène son propre combat. Le processus n'a pas été facile. Il y a eu des jours de doute, des moments où le poids de mon ancienne vie semblait m'écraser. Mais à chacun de ces moments, je me suis souvenu du regard de Jésus, de cet amour inconditionnel qui m'avait sauvé des profondeurs de l'enfer. L'une des leçons les plus difficiles a été d'apprendre à accepter la grâce. Pendant si longtemps, j'ai vécu en croyant que j'étais autonome, que je n'avais besoin de personne. Maintenant, j'apprenais à dépendre de Dieu, à croire que son amour était plus grand que toutes mes erreurs. Ma famille et mes amis ont remarqué le changement. Certains étaient sceptiques au début, pensant que ce n'était qu'une phase. D'autres se sont détournés, mal à l'aise avec ma nouvelle foi, mais beaucoup ont été touchés par la transformation qu'ils ont vue en moi. J'ai commencé à partager mon histoire. Au début, il ne s'agissait que de conversations privées avec des amis proches. Mais petit à petit, j'ai trouvé le courage de parler devant des groupes plus nombreux. Chaque fois que je racontais mon expérience, j'avais l'impression d'accomplir le but pour lequel j'avais été sauvé. Voir l'impact que mon témoignage a eu sur les gens était à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Les gens qui traversaient des moments difficiles ont trouvé de l'espoir dans mon histoire. D'autres qui, comme moi, avaient vécu une vie de scepticisme commençaient à remettre en question leurs propres croyances. Mon voyage spirituel était loin d'être terminé. En fait, je savais que c'était le voyage d'une vie. Mais pour la première fois, je me sentais vraiment vivante. Il ne s'agissait plus seulement d'exister, de traverser la vie sans but. Désormais, chaque jour était une opportunité de grandir, d'apprendre, de servir. Et à chaque étape de ce chemin, j'ai senti la présence de Jésus à mes côtés, me guidant, me fortifiant, me rappelant constamment l'amour qui avait changé ma vie pour toujours. À mesure que mon cheminement spirituel progressait, j'ai commencé à comprendre de plus en plus le pouvoir du témoignage. Mon histoire n'était pas seulement la mienne. C'était un message d'espoir et de rédemption qui pouvait toucher d'autres vies. L'un des moments les plus mémorables de cette réalisation a été ma rencontre avec Maria. C'était une femme d'âge moyen qui avait perdu son fils dans un accident de voiture quelques années plus tôt. Depuis lors, il vivait dans un abîme de douleur et d'incrédulité, se demandant comment un Dieu aimant pouvait permettre une telle tragédie. J'ai rencontré Maria dans un groupe de soutien à l'église. Lorsque j'ai partagé mon histoire pour la première fois, j'ai remarqué que vos yeux se remplissaient de larmes. Après la réunion, elle m'a approché. « Comment peux-tu croire après tout ce que tu as vécu ?» m'a-t-elle demandé, la voix tremblante d'émotion. « J'ai perdu mon fils et j'ai l'impression d'avoir perdu la foi avec lui. » Cette question m'a pris par surprise. Pendant un moment, je suis resté sans voix. Comment expliquer quelque chose de si profond, de si personnel? Mais ensuite, je me suis souvenu de ma rencontre avec Jésus, ce regard plein d'amour et de compassion. Maria, ai-je commencé en choisissant soigneusement mes mots? Je comprends ta douleur, vraiment. J'ai passé des années de ma vie à rejeter Dieu, à me moquer de la foi des autres. Et quand j'ai eu mon expérience de mort imminente, j'ai vu l'enfer, littéralement. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a rien dit, alors j'ai continué. Mais savez-vous ce qui a tout changé pour moi?
ce n'était pas la peur de l'enfer, c'était l'amour de Dieu. Même après tout ce que j'ai fait, après toutes les fois où je l'ai rejeté, il m'aimait toujours. Et cet amour est quelque chose qui dépasse notre compréhension. J'ai vu des larmes couler sur le visage de Maria. « Mais mon fils, murmura-t-elle, votre enfant est dans les bras de ce même Dieu aimant, répondis-je, sentant mes propres yeux se remplir de larmes. Je sais que la douleur de la perte est insupportable, mais Dieu n'en est pas la cause. Il pleure avec toi, Mary, et il veut te réconforter si tu le lui permets. » À ce moment-là, quelque chose a changé dans les yeux de Maria. C'était comme si une petite lumière s'était allumée dans l'obscurité de sa douleur. Elle n'a rien dit d'autre. Elle m'a juste serré dans ses bras en sanglotant. Au cours des semaines suivantes, Maria et moi avons beaucoup parlé. J'ai partagé plus de détails sur mon expérience, les choses que j'ai vues et ressenties. Petit à petit, j'ai vu la douleur dans ses yeux céder la place à quelque chose de nouveau, l'espoir. Un jour, après une de nos rencontres, Maria m'a fait la surprise. « Lévitique, » dit-elle. Pour la première fois depuis que j'ai perdu mon fils, je peux voir un avenir. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que Dieu me rappelle. Ces mots m'ont profondément ému. Voir la transformation de Maria, voir comment mon histoire avait touché sa vie, m'a fait comprendre encore plus le but de ma seconde chance. Il n'y avait pas que Maria. En continuant à partager mon témoignage, j'ai vu l'impact que cela avait sur différentes personnes. Les jeunes aux prises avec des dépendances ont trouvé la force de demander de l'aide. Les adultes qui avaient perdu la foi ont commencé à reconsidérer leurs croyances. Même certains athées convaincus, comme moi, commençaient à remettre en question leurs certitudes. Chaque histoire de vie transformée était une confirmation de la puissance de l'amour et de la grâce de Dieu. Je n'avais rien de spécial. J'étais juste un homme brisé qui avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais grâce à mon histoire, les gens ont trouvé l'espoir, la guérison et un chemin pour retourner vers Dieu. J'ai commencé à être invité à parler dans d'autres églises, dans des groupes de soutien et même dans certaines écoles. Au début, j'étais nerveux. Qui étais-je pour parler de Dieu? Mais ensuite, je me suis souvenu des paroles du Père Francisco. Votre histoire n'est pas seulement la vôtre. C'est un témoignage de la puissance transformatrice de Dieu. Au fil du temps, j'ai appris à partager mon expérience d'une manière qui touche les cœurs. Il ne s'agissait pas de convaincre qui que ce soit, ni de prouver que j'avais raison. Il s'agissait d'offrir de l'espoir, de montrer que peu importe jusqu'où quelqu'un est allé, l'amour de Dieu peut toujours l'atteindre. Un jour, après une conversation particulièrement émouvante, un homme s'est approché de moi. Il avait l'air d'avoir environ 40 ans et avait un regard intense. « Votre histoire, » commença-t-il avec hésitation. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais prévu. Eh bien, je ne voyais plus l'intérêt de la vie. Mais maintenant, je veux donner une chance à cette foi dont tu parles. J'étais sans voix. L'idée que mon témoignage avait littéralement sauvé une vie était bouleversante. À ce moment-là, j'ai compris plus que jamais le pouvoir d'une histoire de rédemption. Chaque fois que je partageais mon expérience, chaque fois que je voyais une vie touchée, je me sentais reconnaissant. Reconnaissante pour la deuxième chance que j'ai eue, reconnaissante de pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu. Et chaque jour, je me suis réengagé à vivre cette nouvelle vie avec un but, à être un témoignage vivant de l'amour et de la grâce, qui m'avait sauvé des profondeurs de l'enfer et m'avait donné une nouvelle opportunité de vivre. Aujourd'hui, quand je repense à l'homme que j'étais avant cette nuit fatidique, j'ai du mal à croire à la transformation qui s'est produite dans ma vie. Le voyage n'a pas été facile, et il ne l'est toujours pas. Chaque jour apporte ses propres défis, ses propres tentations, ses propres doutes. Mais chaque jour apporte aussi de nouvelles opportunités de grandir dans la foi, d'avoir un impact sur la vie, d'être un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Ma vie est complètement différente maintenant. Je me réveille chaque matin avec un objectif clair: vivre pour Dieu et pour les autres. Je commence la journée par la prière et la lecture de la Bible, cherchant des conseils et de la force pour affronter les défis qui m'attendent. La prothèse sur ma jambe droite me rappelle constamment la deuxième chance qui m'a été donnée.
et me motive à faire en sorte que chaque jour compte. Je continue de partager mon témoignage autant que possible. Je parle dans des églises, des écoles, des groupes de soutien, partout où mon histoire peut apporter de l'espoir à quelqu'un en difficulté. Je considère chaque occasion de parler comme un cadeau, une chance de montrer aux gens que peu importe le chemin parcouru, l'amour de Dieu peut les atteindre. Ma relation avec ma famille s'est considérablement améliorée. Au début, ils étaient sceptiques quant à mon changement soudain. Mais au fil du temps, lorsqu'ils ont constaté la véritable transformation de ma vie, ils ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, nous avons des conversations approfondies sur la foi, la vie et le but, des choses dont je n'aurais jamais imaginé discuter avec eux auparavant. Je me suis également impliqué dans le travail bénévole dans la communauté. J'aide dans des refuges pour sans-abri, je participe à des programmes de réadaptation pour toxicomanes, je visite les hôpitaux pour réconforter les malades. Chacune de ces activités me rappelle l'amour inconditionnel que j'ai reçu et me motive à partager cet amour avec les autres. Bien entendu, tout n'est pas rose. Je suis encore confronté à des moments de doute, des moments où le poids de mon passé semble m'écraser. Il y a des jours où la douleur physique dans ma jambe est presque insupportable, me rappelant les conséquences de mes anciens choix. Mais dans ces moments-là, je m'accroche au souvenir de ma rencontre avec Jésus, à ce regard d'amour qui a tout changé. L'une des choses les plus surprenantes de cette nouvelle vie est la façon dont ma vision de l'avenir a changé. Avant, je vivais juste pour l'instant, sans me soucier des conséquences de mes actes. Maintenant, j'ai une vision plus large. Je me souviens très bien de la vision que j'avais des catastrophes de 2024, et cela me motive à faire ma part pour essayer de changer cet avenir. J'ai commencé à m'impliquer dans des causes environnementales et sociales. Je parle de l'importance de prendre soin de notre planète, de vivre de manière plus consciente et durable. J'essaie de montrer aux gens que nos actions ont des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité et les générations futures. Parfois, je me demande si je suis digne de cette seconde chance, si j'en fais assez pour honorer le cadeau qui m'a été fait. Mais ensuite, je me souviens des paroles du Père François. Il ne s'agit pas d'être digne, Lévitique. Il s'agit d'accepter la grâce et de vivre dans la gratitude. Et c'est ainsi que j'essaie de vivre chaque jour, avec gratitude. Gratitude pour la vie, pour la seconde chance, pour l'amour qui m'a sauvé. Gratitude pour chaque personne qui croise mon chemin, pour chaque opportunité de partager mon histoire, pour chaque moment de croissance dans la foi. En regardant vers l'avenir, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à grandir. Je sais qu'il y aura des défis, des moments de doute, peut-être même des moments de désespoir. Mais je sais aussi que je ne suis pas seul dans ce voyage. J'ai la présence constante de Dieu à mes côtés, le soutien de ma communauté confessionnelle et la force qui vient du fait de savoir que ma vie a un but plus grand. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si nous pourrons éviter les catastrophes que j'ai vues dans ma vision. Mais je sais que tant que je respire, je continuerai à partager mon histoire, à offrir de l'espoir à ceux qui en ont besoin et à vivre chaque jour comme un témoignage de l'amour et de la grâce qui ont transformé ma vie. Mon voyage est loin d'être terminé. En fait, j'ai l'impression qu'elle ne fait que commencer. Et malgré tous les défis, toutes les incertitudes, il y a une chose dont je suis sûr. Je n'échangerai cette nouvelle vie contre rien au monde. Parce que maintenant, enfin, je suis vraiment vivant.